Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Early Lego Minifigure Showcase. La Early Lego Minifigure Showcase numéro 151. Sur la minifigurine qui est apparue dans le set Lego de la toute nouvelle gamme Lego, Lego Moi moins chez Méchant 4, la maison de Gru et des mignons. La minifigurine de méga Minion Jerry. Car oui, après vous avoir fait les précédentes Early Ego Minifigure Showcase sur les précédents, les premiers Mega Minions, en gros, eh bien, je vais vous faire la toute dernière minifigurine des Mega Minions, à savoir celle de Mega Minion Jerry, qui est vraiment l'une de mes préférées d'ailleurs, hein, franchement. C'est vraiment une minifigurine que je trouve, mais super, mais super rigolote et vraiment magnifique aussi. Là, les gars, je vous accorde, mais vraiment un 22 sur 20, hein, carrément, hein, une note carrément comme ça, avec quelques applaudissements d'avance. Parce que cette mini figurine, elle est juste trop trop classe. Tout comme celle des méga mignons que je vous ai déjà présenté, cette mini figurine est juste trop trop magnifique. Elle est vraiment trop trop belle. Comme je l'ai dit, c'est une mini-figurine qui est apparue dans le set Lego, Lego Moi, Moche et Méchant 4, La Maison de Grou et Des Mignons. Cette review Lego, je vous la mettrai en lien en description. Hein, bien entendu, le lien sera en description euh, de la vidéo. Hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Comme à chaque fois, en fait, vraiment, c'est une mini figurine qui est juste super classe. Alors, c'était une mini figurine qui était apparue avec les, mi les mini figurines des méga minions, de méga minion team et méga minion Mel. car euh, oui, il y avait ces deux-là hein, dans le set Lego. Hein, donc, euh, vraiment, je vous invite à aller voir la review Lego euh, que j'ai fait euh, sur euh, le set Lego de moi moi chez Méchant 4, la maison de Gru et des mignons. Le lien sera en description. Encore une fois, vraiment, c'est une mini figurine méga mignonne Jerry que je trouve. Mais vraiment, cette mini figurine de méga Mignon Jerry, elle est magnifique. Hein. J'en perds même mes mots. Hein. Je ne sais pas euh, comment vous dire mieux comment cette, cette mini figurine est magnifique. Hein, vraiment, hein. parce qu'elle est juste trop, trop classe. Et justement, nous allons tout de suite commencer cette early Lego mini figure showcase. Donc, euh, la particularité de cette mini figurine de méga mignon, c'est que tout comme celle de Mega Minion Dave, eh bien, c'est une pièce séparée, hein, là où il y a ses yeux et puis la tête, hein, le crâne, donc euh, voilà, je vais vous montrer, hein, tout simplement, je vais vous montrer ça, voilà, vous enlevez cette pièce, et puis à l'intérieur, il n'y a rien du tout, hein, mais même, carrément, avec cette mini-figurine-là, et puis celle de Mega Minion Dave que je vous ai présentée, et eh bien, euh, précédemment, eh bien, vous pouvez enlever la partie de cette tête, et puis vous pouvez même mettre carrément, puisqu'ils en raffolent plus que tout... Les bananes, hein, parce que oui, hein, ceux qui ne le sauraient pas, les mignons adorent les bananes. Donc, ben justement, on va leur en mettre une en stock hein, dans leur corps, hein, comme ça, ça leur, ça leur fera, ça leur fera une banane d'avance. Hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein, donc euh, voilà, comme ça, ils sont équipés et ils pourront manger. <laughs> Banana. On a très très bien compris que tu aimais ça. Hein, franchement, je pense que le message a été compris. Hein, donc euh, voilà. <laughs> Mis à part ça, le reste de la mini-figurine en elle-même est magnifique. Hein. Franchement, j'adore comment ils ont représenté ce méga-mignon sous forme de mini-figurine hein, parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, la particularité de ce personnage, c'est que, oui, hein, c'est un des méga-mignons, hein, comme je l'ai dit, hein, bien sûr, hein, dans le film Moi-même chez Méchant 4. Eh bien, ce méga-mignon a la particularité d'être comme, hmm, comment dire ça, une sorte de pierre géante. Hein, voilà, hein, une fois qu'il a été dans la capsule qui les transforme, eh bien, ce dernier devient un méga mignon qui a la particularité d'être comme une sorte de pierre géante qui est capable de tout massacrer sur son chemin, on le voit bien très clairement dans la fameuse scène où ils sont transformés et eh bien que ce dernier, ce méga mignon Jerry, eh bien il mange carrément la capsule en métal hein, je vous jure c'est vraiment <laughs> un truc de fou, et puis il peut même euh, à un moment donné dans le film eh bien il y a un des mignons qui utilise le, sa bouche pour ouvrir un bouchon de bouteille ou quelque chose comme ça si, me, si je m'en rappelle bien donc euh, voilà, c'est assez drôle cette mini figurine, ce personnage en lui-même, hein, bien sûr. Vraiment, il est magnifique. Hein. J'adore le détail avec ses dents, comment ils l'ont fait, c'est vraiment un truc de fou. Et puis même son œil que vous pouvez bouger à volonté. Donc euh, comme vous voulez, hein, bien sûr, hein, vous pouvez le mettre soit comme ça un petit peu énervé, ou même carrément en sens inverse, comme s'il avait l'air surpris, en mode terrifié, etc. Et puis tout comme les autres méga minions que je vous ai présentés euh, précédemment, eh bien ce méga minion possède également le logo M dessus, qui signifie méga minion, hein, bien sûr, un hein, bien entendu. Vraiment, elle est trop trop belle, cette minifigurine de méga minion Jerry. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette minifigurine de méga minion Jerry, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais encore une fois, c'est une mini figurine que je trouve, mais vraiment magnifique. Hein. Franchement, j'adore cette mini figurine. C'est l'une de mes mi mini figurines des méga minions préférées, hein, honnêtement. Avec cette mini figurine de méga minion Dave. Vraiment, c'est mes deux mini figurines des méga minions préférées. Hein. Franchement, elles sont magnifiques toutes les deux. Je vais vous la remontrer encore une fois pour que vous puissiez la voir un peu plus en détail. Mais vraiment, cette mini figurine, elle est juste trop trop belle, hein. Franchement, je me répète peut-être un petit peu, mais franchement, cette mini figurine de méga mignon Jerry, elle est juste trop trop belle, hein. Franchement, euh, vraiment, j'adore cette idée, comment ils l'ont représenté, hein. Franchement, avec les détails de cailloux qui a sur lui et tout, en mode, je suis une grosse pierre qui bouge, etc. <laughs> vraiment, c'est une mini figurine que je trouve, mais vraiment super jolie super classe et vraiment super drôle. Et pour la fin de cette vidéo, quoi de mieux que de tous les réunir ensemble, ces méga mignons Également pour la dernière Early Lego Minifigure Showcase sur les méga mignons. Bien après ça, je vous présenterai les minifigurines des euh, personnages de Moi Moche et Méchant en eux-mêmes, comme Grou, Lucie, Agnès, Margot et Edith, hein, bien sûr, il hein, n'y a pas de souci. Ainsi que quelques autres minifigurines des mignons que je possède, hein, bien sûr, hein, bien entendu. Mais en tout cas... Cette série de mini figurines des méga mignons, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Ces mini figurines, elles sont juste trop trop belles. N'hésitez pas à me dire en commentaire au passage, quelle est votre mini figurine des méga mignons préférée. Moi, comme je l'ai dit, j'ai une petite préférence pour celle ci et celle là. Parce que franchement, elles sont magnifiques, hein. Elles sont juste gigantesques par rapport aux autres. Hein. Bon, bien sûr, il y a celle de Mega Minion Team qui est gigantesque également, hein, par rapport au fait que, bah il est super grand et tout avec ses différentes pièces Lego. Mais vraiment, j'ai une petite préférence, j'avoue tout, hein, pour ces deux mini figurines des Mega Minions. Bien que je trouve les autres vraiment magnifiques également, hein, bien sûr. Hein. Euh, et je ne dis pas qu'elles sont horribles, ma nien, Non, j'adore toutes ces mini figurines des Mega Minions. Mais en tout cas. J'espère que cette Early Lego Minifigure Showcase vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si vous aviez aimé cette vidéo Early Lego Minifigure Showcase sur la minifigurine de Mega Minion Jerry. Et à me dire en commentaire également quelle est votre minifigurine de, des Mega Minions hein, préférée. Hein. Dites-moi quelle est votre minifigurine préférée tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir. Et également, petite précision, les méga mignons ont une petite chanson à vous faire pour la fin de cette vidéo. Je vous laisse en profiter. À la prochaine, au revoir tout le monde.